de l'extérieur, comme ça, on pourrait avoir l'impression que j'improvise, mais j'aurais tendance à parler d'accident maîtrisé plutôt, puisque tu vois, de toile en toile, à force de voir la réaction des matériaux, leur répulsion parfois, ou au contraire leur extension, j'utilise justement ce côté chimique. Et de toute façon, je veux toujours projeter une image mentale, tu vois, une émotion du moment et une image mentale. Donc je sais où je vais dans l'espace, dans mon choix de palette. Et dans l'abstraction, il y a cette idée que celui qui regarde participe à l'œuvre puisqu'il peut apporter ses propres projections. Et c'est cette rencontre des regards que je développe dans mon travail.